Salut, c'est Nicolas, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors on va commencer par faire un rapide tour de mon potager et on va voir ce qui s'est passé durant le mois qui vient de s'écouler, le mois de septembre. Et après on va faire le point sur les travaux pour le mois à venir, le mois d'octobre, et ce que vous, vous allez pouvoir faire dans votre potager. Alors, au sommaire de cette vidéo, on va faire le tour de mon potager et vous allez voir tout ce qui a poussé, les réussites, les récoltes, mais aussi les problèmes et comment j'y ai remédié. Ensuite, dans une deuxième partie, on verra toutes les activités du mois à venir, le mois d'octobre, ce que vous, vous allez pouvoir semer, planter dans votre potager, comment vous organiser, l'entretien qu'il va y avoir à faire. Et comme d'habitude, j'ai aussi préparé un article sur mon blog qui va avec cette vidéo et qui va reprendre déjà tous les détails des activités à faire pour le mois d'octobre, en beaucoup plus détaillé que ce que je vais dire dans la vidéo. Et aussi pour ceux qui aimeraient avoir les noms précis des variétés que je cultive dans mon potager, j'ai tout mis dans cet article. Alors pour y accéder, comment faire? Ben c'est très simple, il suffit d'aller dans la description qui se trouve juste en dessous de la vidéo. J'ai mis un lien, la première ligne, c'est un lien qui est cliquable et qui va vous emmener directement sur l'article qui est en rapport avec cette vidéo. Quelques derniers concombres en ce mois de septembre qui a été encore très sec avec presque aucune pluie. Les courgettes par contre continuent à donner grâce aux plantations échelonnées de 3 plants. Les haricots nains continuent de produire. Là, c'est la récolte du rang qui avait été planté mi-juillet. Et il y a un dernier rang planté début août qui devrait bientôt être bon à cueillir. Les courges sont arrivées à maturité, elles aussi. C'est une variété qui fait des fruits très petits, de la taille d'un pamplemousse, et elle est pratique pour les petits potagers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait vu dans la vidéo du mois de juillet, j'avais planté ces plants début juin en bordure de la parcelle où poussaient les pommes de terre, qui n'étaient pas encore récoltées à ce moment-là. Et le temps que les tiges de courge s'allongent, la récolte des pommes de terre a eu lieu, et du coup les courges ont pu s'étaler sur toute la surface. Une trentaine de courges pour 3 plants, moi j'estime que c'est pas mal, surtout qu'elles ont poussé dans la partie de mon potager qui se trouve à mi-ombre et elles ne recevaient le soleil qu'à partir de 13h. Je vais les stocker dans mon garage et elles vont se conserver pendant plusieurs mois. Je suis vraiment content de ces laitues Batavia. Je les avais plantées mi-juillet et elles m'ont donné des récoltes continues pendant tout l'été. Vous avez déjà vu dans d'autres vidéos comment je les récolte feuille à feuille. Mais quand j'ai besoin de faire de la place pour la plantation suivante, il m'arrive aussi de les couper en salade entière. C'est la pleine production pour ce plant de basilic et comme il pousse à mi-ombre, il a moins tendance à monter en fleurs. On en vient aux tomates. L'année n'a pas été terrible, vous le savez déjà si vous avez vu la vidéo du mois dernier. Les deux vagues successives de canicules ont fait que, dans beaucoup de régions de France, la mise à fruit des plants de tomates a eu beaucoup de mal à se faire. Et dans mon potager, la plupart des tomates sont restées vertes jusqu'à la première semaine de septembre à peu près. Je pense que comme moi, vous étiez super impatients de les déguster. Et enfin, la récompense de tout ce travail, de toute cette attente est arrivée. Nous avons eu le plaisir de nous régaler avec toutes ces différentes variétés. Ce sont des tomates anciennes, donc elles ont toutes des couleurs et des goûts bien différents de l'une à l'autre. Alors tout n'a pas été rose pour autant. Et je vous parlerai des ravages faits par les punaises dans un instant. On va faire un tour rapide des différentes plates-bandes qui composent le potager. Alors là, on a un plant de courgette qui est en fin de vie, là. Peut-être encore une ou deux récoltes, mais c'est pas sûr. C'est le deuxième que j'ai planté sur une série de 4. Après, on passe au plant de tomate. Là, il y a un plant de cosmos, là, le seul qui a survécu à la sécheresse. Les punaises sont au rendez-vous, hein, ça, on pouvait s'y attendre. Là, on voit, je laisse pousser des herbes, des adventices qui sont pas gênantes, comme ce pied de pissenlit, là, qui est absolument pas gênant. Et l'avantage de laisser pousser comme ça ces herbes dans le sol, là on a un pied de bourrache, un autre pissenlit, c'est que ça maintient de la vie au niveau de la terre.
Et parce qu'au niveau des racines, il y a des échanges qui se font. Ça s'appelle la rhizodéposition. C'est entre les racines des plantes vivantes et la terre. Il y a des échanges très importants qui se font. Donc c'est pour ça que je laisse au maximum des plantes vivantes dans le sol. Alors là, on a un plant de tomates noires qui n'ont vraiment rien donné cette année. Là, elles sont restées très petites et très dures également. Là, on a un plant de choux, de brocoli. C'est du brocoli à jet, ça. C'est un brocoli qui va faire des petits jets qui vont être mûrs au mois de février-mars à peu près. Là, on a un plant de concombre qui est en fin de vie aussi. Là, on voit, il reste un ou deux fruits à cueillir encore. C'est une variété de concombre qui fait une peau craquelée comme ça, qui reste ce qui fait qu'ils peuvent rester sur le plant sans devenir amers et sans grossir, sans prendre de la graine. Alors là, on est sur la plate-bande qui est juste à côté. Donc là, un magnifique fenouil qui est monté en fleur, là, qui fait 1 mètre de haut à peu près. Avec la sécheresse, là, les bulbes n'ont pas bien grossi, ils ont préféré monter. Là derrière, on a un chou qui se porte pas aussi mal qu'avant. Il a repris du poil de la bête, mais il a été très attaqué par les altises. Là, il y a une plante qui n'est pas très connue, ça s'appelle la baselle, Basella rubra, c'est baselle à feuilles rouges. C'est une sorte d'épinard d'été. En fait, c'est une plante qui fait des feuilles qui peuvent se cueillir et se manger comme l'épinard. Alors, ça n'a pas du tout le même goût, bien sûr. Et c'est une plante un peu, comment dire, un peu aux feuilles épaisses et donc qui résiste bien à la chaleur. On a à côté quelques plants de tomates là, qui restent encore pas mal de tomates à cueillir. Là, elles ont mûri tellement tard cette année. Là, un rudbeckia qui continue à faire ses jolies fleurs. Là, on arrive à la partie principale du potager. Donc, on voit la partie qu'on soude, là, elle s'est bien étalée. Elle est en train de sécher pour l'hiver. Là, elle est complètement malade. Là, si on s'approche, on voit qu'il y a des feuilles qui sont noircies. Si on s'approche encore plus, on voit qu'il y a plein de petits points blancs. Ce sont des petites mouches très fines, des aleurodes, des mouches blanches. Et on voit aussi qu'il y a plein de coccinelles. Il y en a une là, par exemple, une autre là, encore deux. Encore une, et donc je suppose que ces coccinelles-là sont des prédateurs des mouches blanches. Donc je laisse faire, de toute façon j'ai pas eu le temps de m'occuper de cueillir cette consoude. Elle aurait pu me servir à mulcher mes tomates au cours de l'été, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc je vais bientôt la faucher à ras et la mettre au tas de compost. Alors là, si on avance un petit peu, on voit un des rares œillets d'Inde là, qui a résisté à la canicule. Voilà, il recommence à faire quelques petites fleurs. Là, une belle de nuit. Les tomates cœur de bœuf blanches qui sont là. On passe devant la parcelle de radis, là où il y a le voile de croissance. Alors, on en parlera tout à l'heure. Voilà, là, il reste quelques soucis qui recommencent à fleurir après la chaleur de l'été. Quelques piments là qui sont bons à récolter. Alors, si on fait le tour, on tombe sur le plant de blette, toujours très productif. Ça, c'est vraiment un légume que j'aimais pas du tout au début et j'ai appris à l'apprécier. On a des tomates qui poussent ici, avec les protections toujours contre les oiseaux, mais je pense que ce sont aussi des mulots ou des rats qui peuvent grignoter les tomates. Il n'y a pas que les oiseaux. Voilà, là on arrive au tipi de haricots là, qui est très chargé en feuillage cette année, mais par contre pas un seul haricot. Et là nous avons des tomates Green Zebra, toujours avec des punaises bien sûr. Voilà, là nous avons d'autres courgettes. Il continue de pousser, là c'est la troisième et la quatrième, donc je pense qu'elles vont encore donner un petit moment. Là. Les grosses feuilles sont atteintes par l'oïdium, mais c'est pas grave, il y en a des jeunes qui vont prendre le relais. Ici quelques tomates là qui vont bientôt être mûres. Et là voyons un peu le au niveau du paillis, du sol, qu'est-ce que ça donne. Donc là on voit qu'il y a des restes du foin que j'avais mis à la fin du printemps. Ça, ces tiges-là, ce sont des résidus de culture. Là, on reconnaît une fleur d'oignon ou d'ail, peut-être.
Alors, si on écarte le paillis, on voit que la terre, elle est restée bien meuble pendant l'été. Elle ne s'est pas du tout tassée, alors que c'est une terre argileuse à la base. Donc, il y a quelques mottes qui se sont formées, mais elles sont relativement faciles à casser. Donc là, vous voyez, j'arrive à enfoncer ma main facilement. Bon, pas énormément, mais quand même jusqu'à une dizaine de centimètres de profondeur. Donc là, on voit que le paillis a vraiment joué son effet de maintenir l'humidité et la vie du sol. Alors l'humidité, c'est aussi parce que j'ai arrosé tout l'été grâce à ces tuyaux d'arrosage goutte à goutte là. Sinon, le peu de pluie qu'il y a eu, il n'y aurait pas eu assez d'eau du tout pour tenir tout l'été à Toulouse. C'est pas possible. Là, on arrive sur la lasagne que j'avais montée il y a quelques années déjà. Donc avec des betteraves qui poussent là, qui poussent bien. Donc je vais pouvoir les récolter au fur et à mesure des besoins. Et là derrière, j'ai trouvé la place pour mettre un chou kale, un chou frisé. Et là, surprise, agréable, il n'est pas du tout atteint par les pierrides. Les feuilles sont vraiment jolies, intactes, donc pourvu que ça dure. Là, on arrive au potager expérimental où j'avais mis du bois au fond, creusé dans la terre. Donc là, on a un plant de tomates cerises là, qui est en fin de vie aussi, encore quelques récoltes prévues. Là, c'est de la roquette là, qui a été un peu trouée par les altises. Ici, nous avons des laitues, de la scarole. Ici, un rang de haricots, là où il y a peut-être encore quelques petites récoltes. Oui, là, j'en vois un. Et un rang de betteraves. Un plant de persil là, que j'ai planté très récemment, là, qui va me donner du persil pendant tout l'automne et une partie de l'hiver. Là, une belle laitue rouge, là, j'adore la couleur de ces laitues. En passant, on jette un œil à la table à semis, ben, il n'y a plus grand-chose en ce moment. Il y a quelques restes de scarole là, pour lesquels je n'ai pas trouvé de place au potager, du cerfeuil. Et là, un semis en cours là, de laitue, c'est de la laitue, la rouge de grenobloise, qui n'a pas encore levé. Et pour terminer, le potager à réserve d'eau. Réserve d'eau qui a été très pratique là pendant cet été, là où dans ma région toulousaine, il n'a pas plu quasiment une seule goutte là depuis le mois de juin, à part un gros orage, mais en une demi-heure, l'eau est tombée tellement vite qu'elle a ruisselé dans la terre et elle est repartie aussi vite qu'elle était arrivée. Donc là, beaucoup de belles récoltes de salades en perspective. Donc là on a des laitues là, qui se préparent, des nouvelles repiquées. Là on voit il y a au moins trois générations de salades. Là on voit la ciboulette chinoise là, qui a fini de faire ses fleurs et qui va faire des graines maintenant. Là il y a un plant de basilic là, qui est encore avec de belles feuilles. La poirée à couper. D'autres roquettes. Un plant de persil. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai fait très peu de semis pendant le mois de septembre. Pas d'épinards ni de mâches, parce que j'ai l'intention de semer des couverts végétaux sur l'ensemble de mes parcelles, sauf le rectangle à salade. Mais comme c'est de la févrole que j'ai prévu de semer, j'attends début novembre, sinon avec le climat toulousain, elle va pousser trop vite avant l'hiver. De toute façon, on en reparlera en détail dans la vidéo qui viendra au mois de novembre. J'ai quand même semé deux choses en godet récemment, des laitues qui résistent au froid et des radis. Oui, c'est bien ça, des radis semés en godet. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Au niveau des plantations, j'ai mis en terre le dernier lot de laitues avant l'hiver. Ici, ce sont des laitues paumées qui font de belles feuilles tirant sur le rouge. Alors je vous mettrai la variété exacte sur le blog, mais attention, c'est une variété qui craint le gel. Alors on va voir si elle aura le temps de pousser avant l'arrivée du froid. J'ai aussi planté les chicorées italiennes. Celles-là par contre, elles sont bien résistantes aux gelées et elles vont me donner des récoltes pendant tout l'hiver. On reste dans les plantations avec la roquette. C'est une des plantes qui pousse le plus vite au potager, et elle porte bien son nom, parce qu'en anglais, rocket, ça veut dire fusée. Et c'est ce nom-là qu'ont gardé les jardiniers anglais pour la désigner. Les radis aussi, ils poussent très vite, et juste une semaine après les avoir semés en godet, je les ai mis en terre au potager. Pourquoi j'ai été obligé de faire comme ça? Et vous allez le découvrir juste après, dans la rubrique des problèmes rencontrés.
plant de courgettes que j'avais planté début juin, il a fini de produire depuis longtemps. Je l'avais laissé en place parce que c'est toujours mieux de garder des plantes vivantes pour améliorer la terre du potager, parce qu'il y a des échanges qui se font au niveau des racines. Mais là, il est plus trop vivant avec toutes ces taches blanches sur les feuilles. C'est la maladie de l'oïdium. Et comme j'aurais besoin de place dans quelques temps pour planter de la roquette, je vais arracher le plant. Et vous voyez, je remets toute cette masse végétale sur le sol pour qu'elle enrichisse la terre en se décomposant. Mais souvent, les jardiniers croient que c'est risqué de garder les déchets de plantes malades et ils n'osent même pas les mettre sur leur tas de compost. Mais en fait, il faut savoir que c'est pas un problème du tout, parce que du moment que les végétaux sont bien morts, j'insiste là-dessus, du moment que les végétaux sont morts, les germes de maladies vont être décomposés avec le reste et il n'y a vraiment aucun risque que les maladies se propagent jusqu'à l'année prochaine. Deux fois par an, je fais un léger apport de compost dans mon carré à réserve d'eau. Les salades, c'est pas un légume très gourmand, mais comme la terre de ce potager, elle n'est pas en contact avec la vie du sol, je pense que ça lui fait beaucoup de bien d'être ensemencé à nouveau de temps en temps avec des micro-organismes. Alors je commence par dépailler, j'enlève le foin que j'avais mis pour limiter l'évaporation de l'eau en été. Maintenant c'est le compost qui va jouer ce rôle de protection de la surface du sol. Alors j'en mets juste un tout petit peu, je pense qu'une fois qu'il est étalé, ça doit faire 5 mm d'épaisseur tout au plus. Ce compost, qui est un compost fait maison, j'ai dû le tamiser parce qu'il contenait encore des gros débris, comme des morceaux de branches ou des noyaux de pêche. Et regardez ce que j'ai découvert dedans. Ce sont de grosses larves blanches, et quand elles sont dans le compost comme ça, ce ne sont pas des larves de hanneton. Le hanneton, c'est un insecte qui peut faire pas mal de dégâts sur les cultures, au potager. Alors donc ce ne sont pas des larves de hanneton, ce sont des larves de cétoine. Et la cétoine, c'est un merveilleux insecte qui a une carapace dorée et qui est très utile au potager, parce qu'il participe au recyclage de la matière organique. Vous vous souvenez, le mois dernier, j'avais fait un semis de radis en pleine terre. Normalement, les graines de radis, ça germe très rapidement, en quelques jours. Mais là, au bout d'une semaine, je voyais rien qui sortait. Encore quelques jours, et toujours rien. Alors je me suis baissé au ras de la terre, et j'ai vu toutes les minuscules tiges blanches des radis. Elles étaient bien là. Mais il restait que les tiges. Les feuilles avaient disparu. Qu'est-ce qui avait bien pu les manger? Je pense que ça doit être les escargots. Il y en a beaucoup dans mon potager, contrairement aux limaces qui sont assez rares. Alors pour éviter que ça se reproduise, et parce que j'utilise aucun produit chimique dans ce potager, j'ai décidé de faire un semis de radis, mais cette fois dans des godets, où ils seront bien protégés. Et une semaine après, je les ai plantés en terre. Alors comme avec 12 radis, on va pas très loin, même si ce sont des gros radis noirs, j'ai aussi refait un semis en ligne, juste à côté. Et pour les protéger des escargots, j'ai recouvert le tout avec un voile de protection et des pierres posées tout le long. On a vu au début de la vidéo que j'avais planté de la roquette. Mais en septembre, les altises, elles étaient encore très présentes et les feuilles ont vite été trouées par les piqûres de ces petites puces noires, vous savez. Alors je me suis rappelé que j'avais fabriqué des protections anti-escargots au printemps dernier, et comme elles sont faites avec du voile, ça laisse traverser l'air, ce qui est indispensable parce qu'il fait encore chaud. Donc je me suis dit que j'allais installer ces protections. Alors est-ce que je les ai mises à temps pour éviter la mort de ces plants de roquette? Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le savoir. Déjà au mois d'août, je vous avais montré comment les punaises proliféraient sur mes plants de tomates. J'arrivais encore à les contenir en faisant un ramassage manuel tous les jours, mais en septembre, c'est devenu bien pire. La population de punaises a explosé, et j'en trouvais même sur les plantes qui poussaient à côté des tomates, comme les haricots par exemple. Ça valait même plus la peine de les ramasser à la main parce qu'il y en avait trop. Heureusement, tous les plants n'ont pas été touchés de la même manière. On a vu qu'il y a eu quand même des belles récoltes, mais je tenais à vous montrer ce qui peut se passer dans le pire des cas. Alors ici, on a un plant de tomates qui sont des grosses tomates rouges. Et regardez à quoi ça ressemble. Normalement, ces tomates, elles devraient être totalement rouges, parce qu'elles sont arrivées à maturité. Mais là, on voit que c'est décoloré. La peau, elle est blanche par endroits. Et si on regarde à l'intérieur, c'est pareil, la chair, elle est toute blanchie.
Et ça, c'est provoqué par les punaises, qui sont ce qu'on appelle des insectes piqueurs, suceurs. C'est-à-dire qu'elles percent des trous minuscules à travers la peau des tomates et elles se nourrissent en suçant la pulpe des tomates. Alors le bon côté des choses, si on peut dire, c'est que la tomate, elle pourrit pas, elle continue de grossir, mais elle se cicatrise comme elle peut en formant des parties qui sont blanches et dures. Cette année a été un ratage complet pour les haricots à rame, les haricots grimpants. Pour commencer, au début de l'été, il y a eu les deux vagues de canicule qui ont fait sécher les fleurs. Et là, je comprends qu'il n'y ait pas eu de mise à fruit. Mais en août, j'ai vu plein de nouvelles fleurs se former sur le haut des plants, mais là, pas un seul haricot en vue. Alors pour le moment, j'ai trouvé aucune explication. Là, on est sur mon blog qui s'appelle potagerdurable.com et vous avez un aperçu de l'article que j'ai préparé pour accompagner cette vidéo. Cet article y contient tous les détails que j'ai pas pu donner dans la vidéo, comme les variétés précises des légumes que vous avez vus. Mais surtout, cet article, il va vous guider pour savoir quelles sont les choses que vous pourrez faire au potager pour le mois qui vient, le mois d'octobre. Quels sont les légumes que vous pourrez semer, planter? Alors la saison avance, mais il en reste encore quelques-uns. Et vous trouverez aussi tout ce qui tourne autour de l'entretien du potager en ce moment. En octobre, le potager va entrer en sommeil petit à petit, sauf si on se donne la peine d'installer des protections contre le froid. En effet, dans pas mal de régions, c'est au mois d'octobre qu'apparaissent les nuits vraiment froides et les premières gelées. Le mois d'octobre, c'est aussi le retour des pluies. Ça fait du bien à la terre après l'été qui a été très sec. Mais comme l'humidité est persistante, ça provoque l'apparition des maladies sur la plupart des légumes, fruits, tomates, concombres, courges. Et ça veut dire malheureusement que c'est la fin des récoltes. Ça sera la fin des récoltes aussi pour tous les légumes qui se conservent bien dans une cave ou dans un silo à légumes. Tout ce qui est légumes racines, comme les carottes, les panais, les betteraves, les navets, les radis noirs, les céleris raves, qu'est-ce qu'on a encore? Toutes les différentes sortes de courges. Et en ce qui concerne les résidus de culture, les tiges et les feuillages qui ont terminé de pousser, le mieux c'est de les couper en petits morceaux et de les laisser se décomposer sur place, même si les plantes étaient malades. Et oui, même si les plantes étaient malades. Les racines, quant à elles, elles seront laissées dans la terre ou elles seront dégradées pendant l'hiver. Tout ça, ça va contribuer à fertiliser votre terre pour l'année prochaine. Mais si vous avez prévu de semer des couverts végétaux ou des engrais verts, ça va gêner pour faire le semis et vous allez pouvoir mettre ces résidus de culture sur le tas de compost. L'automne, c'est aussi une bonne période pour commencer des gros travaux, comme la création d'un potager ou son agrandissement, parce qu'il fait encore bon pour travailler dehors. Au niveau des semis et des plantations, vous pouvez faire des laitues d'hiver. Alors les laitues d'hiver, c'est des salades qui résistent bien au gel. Il y a aussi la mâche, les épinards que vous pouvez semer maintenant. Et si vous êtes dans une région où il ne fait pas trop froid en hiver, vous pouvez semer des fèves et des pois. Comme ça, vous aurez des récoltes vraiment précoces au printemps prochain. C'est le moment de planter de l'ail et des oignons aussi. Ils sont vendus en ce moment dans les jardineries, les oignons sous forme de petites bulbilles. Pour protéger les cultures du froid, vous pouvez commencer à sortir les voiles de protection. Ça permet de gagner quelques degrés. Et s'il y a une petite gelée blanche qui se produit, vos cultures, elles seront bien protégées. Dernière chose en octobre, les feuilles des arbres commencent à tomber. Et ça serait vraiment dommage de les jeter à la déchetterie parce qu'elles peuvent servir à plein de choses au potager. Vous pouvez recouvrir vos parcelles pour les protéger des intempéries pendant l'hiver. Ou bien vous pouvez en faire un excellent compost. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, avant que je me fasse complètement bouffer par les moustiques, parce qu'il y a pas mal de moustiques tigres ici en ce moment. On a vu les activités du mois d'octobre. Je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour la prochaine vidéo, où on parlera du mois de novembre. Et d'ici là, vous pouvez aller sur le blog, il y a tout un tas d'articles que vous pouvez lire. Et donc, je vous souhaite un bon automne, à bientôt!